Nous venons de créer, enfin, on est en attente de validation, un fonds de dotation. Pourquoi un fonds de dotation? Parce que aujourd'hui, les actions que nous avons mises à l'épreuve des faits, c'est-à-dire qui ont été dont l'efficacité a été démontrée, sont aujourd'hui, correspondent bien à ce qu'il faut faire et à ce qu'il faut déployer. Alors on est dans un seuil de déploiement des valeurs de l'agriculture écologique, etc. Et du social, comme par exemple Colibri, etc., à certains niveaux. Et moi, maintenant, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, notamment pour répondre à la problématique de la faim dans le monde, en particulier, qui est quand même une problématique grave. Et même les grandes institutions reconnaissent que l'agroécologie, c'est la solution. Voilà. Et moi, l'agroécologie, c'est. Je n'ai pas attendu les grandes institutions pour démontrer que c'était la solution. Ce que nous voudrions, c'est une mobilisation générale qui aboutisse à soutenir les initiatives qui sont porteuses, en quelque sorte, d'un changement radical de société, c'est-à-dire de paradigme, de logique. Toute action qui participe au changement de la logique, mais pas seulement au rafistolage du modèle, c'est-à-dire à mettre des rustines là où ça se déchire.